Avez-vous avec le gouvernement? À ma connaissance, je n'ai pas. Vous avez pas... un problème avec le gouvernement? À ma connaissance, avec le système en place. Je n'ai pas de problème avec le gouvernement. Je ne suis pas membre du gouvernement, je ne travaille pas dans le gouvernement. Mais maintenant, le système en place, c'est autre chose. C'est ce que j'appelais les gens tapis dans l'ombre. Je l'ai dit tantôt, mes chansons, mes prises de position, mes textes et mes déclarations dérangent. J'ai comme l'impression que dans ces pays, on n'aime pas les gens qui disent la vérité. Mais je peux prendre pour un exemple. Il a fallu que le maire de Ndjombe Pendja dise qu'il y a eu des morts à Pendja, qu'on l'a jeté en prison. Aussi simple que ça. Et alors, quand on n'aime pas qu'on dise la vérité, c'est tout à fait normal qu'on s'en prenne aux gens qui disent la vérité. La prison ne vous a pas changé? La prison a fabriqué un monstre. Le système a trouvé le moyen de fabriquer un monstre. C'est-à-dire quand on met quelqu'un innocemment en prison, qui n'a rien fait, mais alors rien fait, pendant 3 ans, tous les jours, quand il dort, à certains moments, il se dit « Ou je me suicide parce qu'il n'y a pas de raison pour que j'ai ce châtiment ou qu'on m'impose ce châtiment. » Mais de l'autre côté, on se dit « Tiens, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai une famille, il y a des gens qui m'aiment bien. Et il faut que je me batte jusqu'au bout pour eux. Et c'est ce que je suis en train de faire et c'est ce que je devrais faire dorénavant. » Qu'est-ce qui motive votre engagement? On ne va pas dire politique, mais votre engagement militant autour des causes parfois perdues. Il y a des gens comme moi. Ils ont horreur des inégalités. Il y a des gens comme ça. Il y a, moi, peut-être, je chante et ça se sait, mais il y a beaucoup de personnes dans les sociétés civiles. Quand vous voyez M. Bernard Djonga, qui est en prison tous les jours, bref, en cellule et tout, vous croyez que qu'est-ce qui le motive? Un grand ingénieur de son État qui se bat pour la cause des cultivateurs et tout le reste. Qui fut fonctionnaire. Qui fut en plus fonctionnaire et qui démissionne pour venir se battre pour ce genre de personnes. Je continue à dire que l'homme le plus populaire du Cameroun à l'époque était Lapiro Dumbanga. Je vais vous dire, le 10 juin, quand les gens partent de partout au Cameroun pour venir au procès de Célestin Monga. Le 10 juin 1991. De 11 oui. Ou 12, c'est loin. Oui. C'est Lapiro Dumbanga qui fait circuler les tracts où j'avais écrit en pidgin. Et les Camerounais sont descendus. Et c'est ainsi que Pius Ndiaye perd son âme. Célestin Monga et le messager n'ont pas été condamnés. Parce que Lapiro Dumbanga était derrière. Et c'est à cette occasion que j'ai présenté aux populations John Frundi que personne ne connaissait. Parce que quand je suis sorti, un hélicoptère était parti de Yaoundé. À l'époque, c'est M. Moudjiki qui était ministre de la Justice. Parce qu'il y avait encore la loi sur les exceptions, il fallait absolument prendre ce monsieur qui a osé distribuer les tracts, c'était interdit. Et j'ai défié le pouvoir, j'ai défié le système, j'ai distribué les tracts. Cet hélicoptère devait donc me ramener Manu Militari. On m'a arrêté et la population a donné 15 minutes. Si le procureur ne me relâchait pas, on incendiait tout Bonanjo. Et dès que je suis sorti sur le perron de la cour d'appel, les gens se sont mis à crier « Lapiro ». Président, Lapiro, président. J'ai dit non, John Fundi était à côté de moi. Quand j'ai soulevé sa main, j'ai dit John Fundi, président. Et c'est comme ça que les gens ont découvert John Fundi à Douala.
Vous avez nommément parlé de Nijon Frundi et du président Biya. Vous pensez qu'ils doivent se mettre de côté pour faciliter l'expression démocratique au Cameroun, c'est ça? Monsieur Atemke, nous sommes à l'ère des nouvelles technologies de l'information. Ça va très vite. Honnêtement, de vous à moi, Monsieur Biya, Monsieur Frundi, est-ce qu'ils peuvent supporter la vitesse de la nouvelle technologie? Et puis, on n'est pas obligé en démocratie d'avoir tous les jours, ça va faire 20 ans, les mêmes challengers. Il faut renouveler pour vous la politique. Qu'on arrête de nous faire croire que le RDPC a M. Biya en haut, le plus beau, le plus grand, l'intellectuel, et en bas des idiots. Mais je dis que ceux qui sont en bas ne l'aident pas. Il faut au moins qu'on le fasse comprendre que, écoute le vieux, si tu n'es pas là, ton œuvre, on va la pérenniser. Ton RDPC va rester parce qu'on pourra continuer. Et c'est valable aussi pour John Fodé. Comment est-ce que vous comptez capitaliser la popularité ou le regain de popularité que votre emprisonnement vous a apporté? Dieu seul sait que les gens qui ont été populaires au Cameroun, autant que l'apéro, depuis les années 1987 jusqu'à nos jours, ne sont pas nombreuses. Je ne m'en vante pas. Je n'ai pas eu besoin de la prison pour être populaire. Je l'ai toujours été. J'ai rempli les stades ici au Cameroun, à Douala et à Yaoundé, tout seul pour faire des concerts. Il est attendu. Il est attendu comme le roi. Il est attendu par des milliers de téléspectateurs ici au Palais des Congrès. C'est invraisemblable. C'est incroyable.
Thank you.
Une chose est certaine, aujourd'hui, on m'a prouvé que mon message porte, que je peux être entendu. Alors, je me battrai jusqu'à ma dernière goutte pour que les choses changent dans ce pays. Je ne vais sûrement pas les changer, mais moi, je me battrai. Je suis sûr que si 10 Camerounais se mettent à se battre comme moi, on va bouger le cocotier.